Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le deuxième meeting de ce championnat WTCR. Nous embarquons à bord de la Seat Cupra de Pepe Oriola pour découvrir ensemble le circuit du Nürburgring. On freine tout de suite pour la première épingle Yokohama, un droit qui se passe en deuxième. Première opportunité de dépassement également. On arrive dans le nouveau secteur du Mercedes Arena qui remplace le Castrol-S des années 80 et 90. Une deuxième épingle ici à gauche qui est une nouvelle opportunité de dépassement. De nouveau en deuxième à 80 km/h, on passe devant la tribune Mercedes. Ici à gauche, et la descente vers la grande chicane Ford. Un gauche-droite en dévers, très technique, très compliqué, surtout lorsqu'il pleut. On freine ici au niveau des cônes. Un petit peu de sous-virage pour la Seat et la descente vers l'épingle du fond, appelée officiellement l'épingle Dunlop. Sortie de cette épingle, le point le plus bas du circuit, on remonte désormais vers la chicane Schumacher, un gauche-droit extrêmement rapide, très technique avec ces voitures, il faut s'accrocher à gauche et à droite au vibreur. Freinage en troisième pour le gauche RTL, très technique également la descente ici dans le dévers du droit Warsteiner. Et dans ce troisième partiel, la grande ligne droite qui nous ramène vers la chicane NGK. Avant cela, on va passer par la courbe Advan que voici, qui n'est pas vraiment une courbe, qui est avalée par ces WTCR. Et enfin, le freinage NGK ici, on passe dans la version la plus serrée de la chicane en seconde, pas de première vitesse. On réaccélère pour l'épingle Coca-Cola, le dernier droit, puisque sur la gauche ici, on part sur la Nordschleife, également en troisième, en seconde. Si on veut récupérer un petit peu d'élan, on doit sortir très très large sur le vibreur. Et voici donc un tour de ce circuit du Nürburgring. La sortie des stands. Allez, c'est parti pour cette séance qualificative. 10 minutes face au chrono. Et il va falloir se battre donc pour trouver une nouvelle fois notre place, peut-être pas dans les points cette fois-ci, ça va être un peu plus compliqué qu'à Zolder. Première course qui vous a plu, merci beaucoup, avec comme résultat deux arrivées dans les points pour cette petite Audi RS3 qui va sans doute être un petit peu plus à l'aise ici. Qu'à Zolder où c'était très étroit, très vallonné. Alors, vous me direz ici c'est pas plat comme un billard, mais on peut être un peu plus coulé. Et c'est tout bénef pour nos voitures dans l'équipe. Il y en a d'ailleurs une autre voiture de l'équipe qui est derrière. Ça doit être Verwisch. Pas beaucoup de voitures encore en piste. On va en profiter. Le S Schumacher qui se passe en 4. Et cinquième en sortie. C'est vraiment sur l'attaque des freins qu'on va devoir travailler le plus pour préparer les voitures en essai. Je vous épargne évidemment les séances d'essai. Le Fred semble plus motivé, on va le laisser passer. Quasiment eu un appel de phare de la part de la voiture de Verwisch, donc on voudrait pas insister. Puis ça peut être un bon lièvre. Allez, attention à ces boudins dans la chicane qu'il faut absolument éviter, ce que je n'ai pas fait ici en entrée de virage. Oh, un petit peu large, on va perdre un petit peu de temps déjà dans l'entrée de notre tour rapide. Le premier passage dans l'épingle. On est obligé d'y aller en troisième. C'est vrai que la boîte pourrait être un petit peu plus longue, surtout la 2.
ça nous aiderait dans quelques situations dans le premier secteur. Avec pas mal de rappels de la boîte de ne pas la broyer non plus. Sort bien dans la remontée. Hop là, peu de dérive du train arrière dans le S-Shoom. Perd du temps par rapport à Vervich. Hein. On est loin par rapport à Fred. Deuxième, on attaque bien la chicane, je suis assez concentré. Et Fred qui rentre. Ah, c'est vraiment la descente de rapport qui est un peu compliquée pour moi sur ce circuit. Alors pour l'instant on est troisième, est-ce qu'on va améliorer? Et on fait le meilleur temps pour l'instant de cette séance, mais on est tout de suite battu. Et on va voir ce que va donner le résultat de cette deuxième séance qualificative de la saison. Et les résultats de cette qualification verront donc une première ligne 100% Hyundai avec Yvan Muller, le leader, le co-leader du championnat d'ailleurs avec notre ami Esteban Guerrieri qui partira donc avec son équipier à ses côtés. Björk Muller, la première ligne, Comte, Guerrieri en deuxième, Yanner Lacher et Tarquini, sixième, septième, Matto Omola avec la Peugeot DG Sport aux côtés de Mehdi Benani, Coronel 9e, Michelis 10e. Nous sommes très loin avec les Audi, on vous le disait, 11e place pour Gordon Shedden. Nous sommes 12e sur la grille, Roboff 14e, Checon, le pilote italien avec la première des Alphas est 15e. On retrouve Vernet 18e, Panis 20e, Berton 21, Lessen 22, Giovanardi 24 et enfin Fred Vervich qui ferme la marche. C'est parti pour la première course sprint ici au Nürburgring. Très bon envol, on va doubler Norbert Michelis qui s'est un petit peu loupé avec la Hyundai. Et la plongée de tous les bolides qui vont arriver ensemble dans la première épingle. Il va falloir se faire de la place, messieurs. On va chercher un peu l'extérieur, peut-être. On emmène avec nous. Hop, Gordon Shedden qui reste à nos côtés. On est bousculé un petit peu de toutes parts. Et l'Écossais qui se retrouve derrière nous. Bon envol depuis la première ligne de Muller et de Björk. Suivent ensuite. Allez, deux Peugeot de chez DG Sport, hein, compris aussi à bon envol pour Comte et Omola. Je crois que c'est derrière nous. Mehdi Benani, le numéro 25, qui s'est retrouvé bien positionné aussi. Ouais, Mehdi Benani derrière nous, pas mal pour le pilote marocain. Bon départ pour la Golf. Là, on est en sous-virage complet. Il va nous passer, Mehdi Benani, sans aucune hésitation. Attention à Gordon Shedden qui pourrait lui aussi faire son entrée dans le top 10. On va tenter de l'emmener un petit peu plus loin. Le pilote écossais, ça passe. On reste devant Shedden. On ouvre la porte. Merci, Mehdi. Thank you very much. Goodbye. Qui a perdu deux places puisque Shedden est également passé devant. On a Tom Coronel qui essaie de se refaire après un premier meeting à Zolder compliqué. On ira chez lui, ce sera la quatrième manche à Zandvoort. Très délicat sur les freins dans le droit Warsteiner maintenant. Les deux Peugeot DG Sport en lutte avec la Honda du Holinkel. Et on est sous la pression de Gordon Shedden avec une autre Audi derrière nous. Et devant, l'une des Hyundai s'est faite dépasser. Quant à vous dire laquelle, pour l'instant c'est un peu compliqué. Premier passage dans la chicane NGK, devant c'est chaud entre Comte et Omola. Les deux voitures qui sont côte à côte pour
TG Sport. Allez, en deuxième ici, on va essayer de la relancer un peu mieux. Cette voiture, c'est compliqué, toujours beaucoup de sous-virages dans sa traction. Et premier tour couvert ici au Nürb. On est 9e. Les trajectoires un petit peu différentes pour tout le monde. Vous le voyez, certains comme Coronel et moi et vont bien aller à l'extérieur. Tarquini a gardé lui la corde. Et Tarquini qui va faire l'extérieur à Coronel. La Hyundai qui a peut-être plus de motricité à l'extérieur du virage. Alors, il va être bien placé, Coronel, pour se défendre. Coucou, on vient se mettre un petit peu dans la bagarre. Tarquini n'a pas pu compléter le dépassement, mais c'était osé de la part du vétéran italien. Allez, on plonge à notre tour face à Tarquini. C'est pas faire grand-chose, là. Sauf si on continue avec le pied dedans, on finit dans le gravier. Donc on est obligé de soulager pour faire tourner la voiture. Par contre, on peut peut-être se défendre un petit peu mieux face à Tarquini. Et on plonge. Oh, il va croiser l'Italien à l'intérieur sans aucune difficulté. Tarquini, bien patient et bien roublard, reprend l'avantage. À l'épingle du fond, bien joué. Un peu de sous-virage dans l'Est Schumacher. Et derrière, je crois que c'est Benani qui est maintenant menacé par l'une des Audi. Je crois que c'est Gordon Shedden qui reste là. Attention, nous on est un petit peu lent là. Trajectoire un petit peu catastrophique pour nous à la sortie du Warsteiner. Ça va permettre derrière à la Golf numéro 12 de Robeuf de revenir. Le pilote britannique, on a eu des mots avec lui lors de la course de Zolder. On a freiné très très tard ici. Elodie qui n'aime pas les vibreurs. Et Coronel qui va attaquer les deux Peugeot de chez DG Sport. Coronel qui en a passé une. Et qui s'empare de la 6e place. On va passer un peu tôt la 5e, c'est pas grave. Toujours cette trajectoire de Coronel extrêmement large dans la cuvette de la première épingle. Coronel qui n'a pas passé encore la première voiture de chez DG. Oh, il part très très loin. Aurélien Comte. Ah, il va peut-être même se faire dépasser par Norbert, par Tarquini, pardon. On est un peu loin pour profiter de la situation, c'est dommage. J'allais dire Norbert Michelis, mais il est pas du tout dans la bagarre. Le Hongrois, il est derrière. Sera la mi-course à la fin de ce tour. Pour l'instant, un premier sprint qu'on gère un petit peu de manière mitigée hein, quand même. Alors que devant, c'est très très chaud entre les Hyundai et la Honda. Oh, les deux Honda de chez Olinkel et les Hyundai qui se battent vraiment comme des chiffonniers à l'avant. Et c'est passé. Aurélien Comte qui a donc perdu deux places dans ce tour. On va essayer de lui en faire perdre une troisième. Ça dépendra de nous évidemment. Passage dans la chicane Schumacher. Et Aurélien qui est bien déstabilisé. Intérieur face à Aurélien Comte. Hop, il nous touche. Et on l'emmène dans le gravier. On va lui laisser un peu de place quand même au pilote français. Et on passe en 8e place à 5 minutes de l'arrivée. Ah, la Peugeot qui est en train de boire le calice jusqu'à la ligne hein, dans cette première course. Nous, on a freiné un peu large ici par rapport à Tarquini. Oh, et Comte qui s'est fait doubler par Shedden aussi. On le voit dans le rétroviseur, on le devine.
je vais peut-être parler un peu vite. Il va peut-être se défendre, le pilote de la 308. Ah, ça nous permet, cette bagarre derrière nous, de prendre de l'espace, de se protéger par rapport à ce qui se passe derrière. La descente de rapport qui est toujours très compliquée pour moi ici, dans ce secteur numéro 1. Alors que devant, on a donc toujours une Hyundai en tête. Devant, c'est vraiment très très chaud. La deuxième Hyundai qui a chuté, la voiture de Mola qui est montée troisième, je crois. Matteo Mola, troisième avec la première des Peugeot. Ouais, ouais, ouais. Mola qui a réussi à prendre l'avantage. L'auton de nouveau scindé. Unique, il y a de beaux restes. Hein. Je crois que ça doit être le vétéran du peloton avec Giovanardi. Ce doivent être les deux plus vieux. Mais ouais, franchement, là, on peut pas aller chercher la Hyundai tout de suite. Même si là, on se récupère un petit peu. Attention aux gendarmes couchés. Allez, 3 minutes au chrono officiel, on est dans l'avant-dernier tour de cette première manche sprint de l'après-midi. Oh, et Tarquini, qu'est-ce qu'il nous a fait? C'est la première fois de la course qu'il prend l'extérieur avec cette trajectoire Tarquini. Hop, et il va peut-être de nouveau nous récupérer une place. Quelle résistance de l'Italien de sa Hyundai. Et non, finalement, ce ne sera pas pour cette fois. Gabriele, merci beaucoup. Mais cette fois, on passe en 7ème place derrière Tom Coronel. Allez, le Néerlandais devant nous. Et oh, Tarquini qui va replonger. Ouais, on ne peut rien faire dans ce droit. On peut repiquer ici à l'épingle. Ça va me sembler compliqué. Et non. On est piégé derrière Tarquini. Un filet de gaz. Rolvar Steiner pour reprendre cette grande ligne droite. On n'arrive pas à s'accrocher dans le premier boudin, le deuxième ça va. Allez, à une minute exactement, on franchit le transpondeur, ce qui signifie que ce sera donc le dernier tour. Dernier tour de course ici pour cette première manche du Nürburgring. Est-ce qu'on peut... Oh bah écoutez, on va essayer d'aller chercher à l'extérieur Tarquini. Ça va me sembler compliqué d'avoir la motricité face à la Hyundai. Et Ted Bjork qui va céder sa place à Coronel. Tarquini va peut-être en profiter. Là, on a une belle brochette, hein. Avec qui se battre. Et finalement, c'est pas Tarquini qu'on va devoir surveiller, c'est sans doute Aurélien Comte derrière. On est allé loin, c'est un peu loupé sur la trajectoire, attention. Oh, la Peugeot qui est pas loin derrière.
C'est un problème quand on commence à piloter avec les rétros. On va falloir se méfier du dernier freinage. Ça va, compte les appels de phare. Mais rien n'y fera. Oh, il est sorti large devant Ted Bjork. Ah, on pourra pas en profiter, on va arriver trop tard. Oh, quoique. Ouais, il est au ralenti, Bjork. Il y a un problème sur cette voiture. Ah, est-ce qu'on peut aller chercher la position de Ted Bjork, ce sera course au sprint face à la Hyundai, on a peu de chance. Ouh, serré. Ouh, et bien avec Ted Bjork, ah, on l'a vu en dérive totale à l'arrivée, j'étais concentré pour essayer d'aller le chercher, et on l'a eu. Voilà donc les résultats de cette course avec donc Yvan Muller qui remporte cette épreuve devant Yann Erlaché. Mato Mola, le pilote de la Peugeot, termine 3e. On va retrouver dans le classement, dans le top 10 surtout, Esteban Guerrieri, 4e, c'est important pour le championnat. Suivent Coronel, nous sommes juste derrière. Tarquini qui finit 6e, Ted Bjork 8e, qu'on a eu donc sur le fil. Et ensuite la 10e place pour Roboeuf avec la Golf. Ce qui donne donc Yvan Muller en pôle aux côtés de Yann Erlaché, 2e ligne, Mato Mola devant Guerrieri. Coronel 5e, 6e Tarquini, on part juste derrière à l'Italien qu'on espère doubler. Ted Bjork à nos côtés, ensuite Aurélien Comte et Roboeuf. Du côté des hommes de tête qui sont un petit peu en arrière, on retrouvera donc Nathanaël Berton 19e. Il faut compter avec lui, il est 3e au général. Nadji 23e. Et voilà donc pour les points importants. C'est parti pour la 2e course ici au Nürburgring. Allez, on prend un bon envol. Attention à Tom Coronel, attention à Mato Mola qui est en train d'aller chercher peut-être la tête de course au premier freinage. Nous aussi, on va choisir l'extérieur, tiens, pour une fois. Et on a donc deux voitures en tête. Attention Yvan Muller, on se met à l'intérieur face au pilote alsacien, on lui met un petit peu la pression. On sort large, hop, et Muller qui va se retrouver dans une bagarre à 3 avec Coronel qui va prendre l'avantage et la 5e place. Nous on est quand même monté au 4e rang, très bon départ, Muller et Coronel c'est chaud. Et devant Benjamin Lessen et Esteban Guerrieri sont déjà en train de se battre pour la tête de course. 3e place pour Mato Mola, on est 4e devant, semble-t-il, la 2e voiture de chez DG Sport qui aurait tenu la 5e place. Ce serait celle, oui, d'Aurélien Comte à la bagarre avec Coronel qui va prendre l'avantage. Et derrière, Muller se fait complètement enfermer par Tarquini et tous les autres. Eh bien, on a peut-être été mettre le coude du pilote français sur sa portière en lui donnant un petit coup, mais là, il a perdu beaucoup, beaucoup de temps. Alors, est-ce qu'après le premier podium de la Peugeot de Mato Mola, va-t-on assister à la première victoire? Ça semble bien parti pour Benjamin Lessen et Esteban Guerrieri. Et nous, on est 4e, un formidable départ. Ça va être dur de tenir, mais on va tout faire pour passer ces 12 minutes au pied du podium, voire un peu mieux. S'accroche au vibreur, c'est bien, premier passage correct dans cette chicane, on n'en a pas eu un seul quasiment bon dans le premier run. Attention parce que à se battre, les deux Honda pourraient créer la surprise en se mettant peut-être pas dehors mais en perdant beaucoup de temps. Tout bénéf pour Mato Mola, 3e. Allez, on complète le premier tour de cette épreuve qui a déjà vu Yvan Muller perdre de nombreuses places depuis sa pole position. Nous, là, on a freiné au célèbre panneau trop tard. Et bien voilà, il n'en fallait pas plus pour que Coronel revienne dans la bagarre. Ah, je m'en veux, parce que j'ai freiné peut-être un petit peu tard et la voiture a été déstabilisée et a bloqué. C'est pas grave, hein. C'est Coronel, c'est parfaitement dans nos cordes d'aller se battre avec
notre voisin néerlandais. L'épingle, Yokohama, ça se passe avec un train avant plutôt correct. Les Honda sont vraiment vraiment fortes en ce début de saison. On prouve encore les trois voitures présentes dans le top 5. Je ne vais pas dire que moi je ne devrais même pas être là, mais pas loin. Müller qui paye peut-être aussi un petit peu la pénalité de poids après Zolder. Qui semble pas du tout déranger Guerrieri par contre. Ça va, ça peut passer quand on freine à cet endroit-là. Ce que je voulais faire tout à l'heure, mais peut-être freiner un chouïa trop tard. Ces voitures n'aiment pas les chouïas. Allez, on reste toujours la première Audi de ce classement. Il y a une des voitures du team WRT Léopard qui est pas loin non plus derrière. Pas de nouvelles de Berton, pas de nouvelles de Vervich, pas de nouvelles de Panis. On navigue seul pour l'instant en tête du peloton. Oh, on revient. Ah, petite frayeur. Alors j'arrive pas à distinguer qui est en tête parmi les deux voitures du Lincoln Motorsport devant. Ce que je sais, c'est que c'est bien Matteo Mola qui est 3e, Coronel 4e, on est 5e devant la voiture d'Aurélien Comte. Et derrière sans doute Gordon Shedden qui était parti pas loin de nous. Jean-Carl Vernet qui était un peu au ralenti. Allez, 6 minutes, on est au cap de la mi-course dans cette deuxième épreuve du jour. Le passage de la quatrième était totalement inutile. On parlait tout à l'heure de l'attaque possible de la Peugeot de chez DG Sport. On est en train de l'assister dans sa manœuvre, Matteo Mola, puisque devant, les deux Honda se sont un peu fourvoyés. Et ça a permis à la montée de la chicane NGK de revoir Matteo Mola arriver dans les échappements de la Honda. Qui est très très large, on peut pas revenir sur le néerlandais pour l'instant. Ah, la boîte, hein, c'est un peu un problème pour moi. Tire un peu sur les gommes dans l'épingle Yokohama.
trop de vibreurs. Ouais, trop de vibreurs. Grosse erreur de ma part et je vais peut-être le payer très très cher. Retour d'Aurélien Comte, on ne peut rien faire. La Peugeot est à nos côtés. Ça va, on défend face à Comte. Je sais pas pourquoi j'ai voulu aller chercher le vibreur, ce que je ne fais quasiment jamais à ce point-là. J'aurais pu le payer très très cher, on s'en sort très bien. Je ne cache pas que j'essaie un petit peu de m'éloigner de la voiture d'Aurélien Comte. Le pilote français qui... J'ai vraiment du mal dans ce droit. Ah là là, il n'y a rien à faire. Je suis totalement arrêté dans ce virage-là. Je ne peux que subir. Oh bah voilà, chacun son tour mon grand. Je savais pas que j'allais le passer, même sans le toucher là. Aurélien Comte. Belle petite bagarre, mais c'est pas une bagarre à qui sera le plus rapide, c'est à qui fera le moins de fautes. Voilà, comme ça c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Bon, je vous dis pas que là j'ai peut-être un petit peu aidé l'Audi à passer devant Aurélien Comte. Ah, voiture un peu trop dure hein, pour moi du coup sur les vibreurs. Et Coronel qui va aller faire le triplé pour Honda puisqu'il vient de dépasser Matteo Mola. Et il reste 1 minute, on est dans le dernier tour de course. Dernier tour du week-end et on est pour l'instant 5e. C'est notre meilleure performance depuis le début de la saison. Allez, de la motricité, je t'en supplie. Et est-ce que on va avoir droit à un retour ? Les deux voitures du Holinkel devant avec Coronel entre les deux. C'est pas possible, on est allé beaucoup trop sur le vibreur. Et t'es bondir sur le vibreur à l'intérieur. On est parvenu à rentrer la deuxième dans le droit. Tout arrive. Oh, les deux Honda de tête qui ne se seront pas lâchés de plus d'une seconde pendant les 12 minutes de course, magnifique. Oh là là. Encore un freinage délicat. Délicat aussi devant pour Coronel et Comte. Et Omola, pardon. Ils se battent pour la troisième place. Ce serait bien qu'il y en ait un qui sorte. Et bien voilà, Coronel qui a manqué de perdre sa voiture. On aurait pu en profiter. Ce ne sera pas le cas. Oh, de nouveau un passage dans le gravier pour Coronel. Non, on se fait prendre à l'extérieur par Shedden. Je ne l'ai pas vu venir du tout. Ah, je ne l'ai pas vu venir du tout. Le pilote écossais, on va essayer de récupérer cette position. Avec un dernier freinage très important dans cette chicane. Allez, descend en deuxième. Voilà, à l'extérieur sur Gordon Shedden. Hop, et le croisement de main pour tenir la voiture en ligne. Oh là 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 là. Eh bien, on a eu quelques tours un peu plus calmes, mais ce dernier secteur aura joué pas mal de positions.
Et on va aller faire, évidemment, le résultat qu'il faut. Cinquième position, et donc Guerrieri et Yann Herlaché qui terminent aux deux premiers rangs. Le doublé qui va faire du bien au classement pour l'équipe Honda. Nous, meeting difficile pour Audi. On est quasiment la seule avec Gordon Schönen à avoir montré quelque chose. Alors, les résultats de cette course. Guerrieri devant Yann Herlaché, Matteo Mola, Tom Coronel qui, je crois, marquerait vraiment ce week-end ses premiers points. Il n'avait rien marqué du côté de Zolder. Et on va retrouver derrière donc notre voiture 5ème devant Gordon Schönen. Ce sont les deux seuls Audi qui ont su s'en sortir. Tir groupé également des Volkswagen de Rob Huff et Mehdi Benani. 10ème et 11ème place. La tête du classement confirmée pour Esteban Guerrieri devant Yvan Muller qui sera deuxième de ce classement. Un autre Français, troisième, Yann Herlaché. Vous voyez qu'au niveau des écarts de points, ça commence à faire beaucoup. On prend la quatrième place du classement, 32 points devant Aurélien Comte. Ça, c'est un petit peu une surprise. Matteo Mola, sixième et à égalité, hein, les deux Peugeot et DG Sport. Ensuite, Nathanaël Berton, Nadji toujours dans le top 10, même si ça a été compliqué pour lui ce week-end. Retour de Tom Coronel, Ted Björk en difficulté également par rapport à son équipier. Le dernier à marquer des points, c'est Fred Verwisch avec un point. Devant, il y a Robeuf, Panis et tous les autres. Derrière, encore 0 points pour le reste du peloton. Voilà donc pour cette deuxième course, ce deuxième week-end de course. On était ce jour du côté du Nürburgring. On va faire un petit peu de route avec le cargo puisqu'on va se diriger du côté de la Hongrie pour vivre la troisième épreuve. Le Hungaroring sera au programme, pourquoi la liaison, avec toujours deux courses de 12 minutes. On va voir comment l'Audi va se débrouiller sur ce circuit qui ne lui sied pas formidablement. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste, les amis, quelle que soit votre simu favorite. À la prochaine. Ciao.